Je sais qu'on a rendez-vous tout à l'heure. Oui, j'arrive. Pour exister, je t'ai abandonné. J'ai suivi cet autre homme que ton père. Aux yeux de tous, je t'ai abandonné. Forcément, il était de mon devoir d'être là pour mon enfant, de le couver, de le protéger. Mais non, j'ai choisi de partir. Je sais que tu me détesteras, que tu ne comprendras pas mon geste. Tu exigeras des explications, des excuses. Mais la seule explication que je puisse t'offrir, c'est l'exemple de ma vie. Ma fuite. Tu liras dans mes actes ce que je te souhaite. La liberté et la naissance à soi, quel qu'en soit le prix. Celui de l'arrachement et de la souffrance. Tu peux pas dire cette scène d'une façon neutre, Anaïs. Il faut impérativement que tu y mettes les tripes, sinon personne n'y croira. Tu viens d'abandonner un enfant, Anaïs. Il faut que tu prennes conscience de la monstruosité de ton acte. Allez, refais-en une. Je ne suis pas celle que tu crois. Je ne suis pas une bonne mère. Je suis avant tout une femme. Une femme écrasée par ses propres faiblesses. Pour exister, je t'ai abandonnée. J'ai suivi cet autre homme que ton père. Aux yeux de tous, je t'ai abandonnée. Forcément, il était de mon devoir d'être là pour mon enfant, de le couver, de le protéger. Mais non, j'ai choisi de partir. Je sais que tu me détesteras, que tu ne comprendras pas mon geste, que tu exigeras des explications, des excuses. La seule explication que je puisse t'offrir, c'est l'exemple de ma vie, ma fuite. Tu liras dans mes actes ce que je te souhaite, la liberté et la naissance à soi, quel qu'en soit le prix, celui de l'arrachement et de la souffrance. Bon, c'est bien, Naïs. Allez, on fait une pause. J'ai des coups de fil à donner. Tu veux du sucre? Un seul, s'il te plaît. Merci. C'est bien ce que tu fais, on y croit. C'est juste. Ouais, c'était pas évident. J'ai pas réussi à m'identifier à cette femme.
Mais écoute, on a eu de la chance de ne pas rater ça, non? Heureusement, parce que j'aurais pas pu en faire deux. Attends, mais abandonner son enfant, moi, c'est une chose que je pourrais jamais faire, c'est pas possible. Et toi, Vincent, qu'est-ce que t'en as pensé? Vincent! Comment vas-tu, André? Très bien, Philippe. Vincent est là? Il est dans sa chambre. Il y est déjà depuis quelques jours. Il m'a donné comme consigne de ne laisser entrer personne. Attends, je comprends, Philippe, mais là, c'est pour le travail. Alors, j'ai besoin de savoir s'il continue la captation du spectacle ou pas. Ah, alors dans ce cas, débrouillez-vous. Arrange-toi avec lui. Allez, entre. Vincent. Attends, qu'est-ce que tu fous là? Ça fait 3 jours que j'essaie de te joindre. J'ai eu tes messages. Je serai là pour la pièce. Bon, écoute, je vais te dire franchement. J'ai des doutes, j'ai peur que tu sois pas là le jour de la captation et je me demande s'il faut pas que j'appelle quelqu'un d'autre. Fais-moi confiance. Ouais, mais je te fais confiance, Vincent. Mais là, ça devient difficile.
Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai récupéré la cassette, j'en ai besoin pour me corriger. Tu me dois des explications, Vincent. Fous-moi la paix. Non, je te foutrai pas la paix. C'est trop facile. Tu vas pas fuir toute ta vie quand même. Ma vie! Qu'est-ce que tu connais de ma vie, toi? Hein? Qu'est-ce que c'est de ma vie? Je sais que t'es incapable d'aimer. Et je m'en fous que tu m'aies quitté sans me donner d'explications. Mais je veux juste que tu saches une chose. Je sais que tu souffres, Vincent, mais tu ne peux pas le faire subir aux autres. C'est pas possible. Mon cher Vincent, c'est ta maman qui t'écrit. Excuse-moi pour mon départ, mais tu comprendras dans quelques années. Du moins, je l'espère. Sache que tu restes mon enfant chéri et que je t'aime très fort. En attendant une réponse, ta maman. Mon cher Vincent, j'ai appris par ton oncle que tu es parti quelques jours au ski avec ton père pour tes 12 ans.
Là où je me trouve, il n'y a pas de neige. Beaucoup, beaucoup de soleil. Merci beaucoup pour ta lettre. Elles me font toujours énormément plaisir. Tu ne peux pas savoir à quel point. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, ta maman. Mon cher Vincent, tu viens d'avoir une petite sœur. Elle te ressemble. J'espère qu'un jour je pourrai vous voir ensemble, tous les deux. Maintenant, tu es un homme. Je pense que je serais fière de toi, si je pouvais te voir. J'aurais tant aimé que tu m'écrives une lettre, avec une photo. Je regrette de ne pas avoir reçu de réponse à mes trois dernières lettres. Et je désespère maintenant de ne plus jamais avoir de tes nouvelles. Écris-moi, s'il te plaît. Même une carte postale. Ta mère qui t'aime. Mon cher Vincent, depuis combien de temps tu ne m'as pas écrit? Tu ne peux pas savoir combien j'en souffre. Je ne veux pas toujours te répéter la même chose. Mais je t'aime toujours. Mais je te comprends. Je comprends que tu m'en veux. Je voudrais pouvoir t'expliquer. Et j'espère qu'un jour je pourrai le faire. Je suis certaine que tu comprendras. Je t'aime toujours. Et je vais continuer à t'écrire. Même si je ne suis pas très sûre que tu lises mes lettres. Je suis très très triste. Ta maman qui t'aime toujours. Bonjour, monsieur Dauphine. Bonjour, Vincent. Anaïs est là? Oui, elle est au fond. Ça va? Mieux que toi, je pense. Excuse-moi. Ça suffira pas. Qu'est-ce que je peux faire? Commence par me dire ce que tu veux. Te dire que j'ai changé. Moi, j'essaie. Pour toi. Laisse-moi du temps, Vincent. Je comprends.
sûreté ? Oui. J'allais faire un tour. Tu m'accompagnes ? Ok. Vincent, aujourd'hui, il faut absolument que je te parle de quelque chose. Quand tu es né, ton père venait de monter sa société. Et au début, c'était vraiment très difficile pour lui. Il a dû travailler beaucoup pour s'en sortir. Il rentrait tard le soir, il partait tôt le matin. Ta mère, elle s'est occupée de toi. Elle avait du mal à vivre sa solitude parce qu'elle restait de longues heures toute seule enfermée dans cette grande maison. Elle qui était d'une nature si gaie et curieuse. Petit à petit, son caractère s'est assombri. Elle n'osait pas en parler à ton père, il était tellement préoccupé par ses affaires de société qu'elle, bon... Elle a préféré se taire. Un jour, l'instituteur l'a convoqué pour un problème à l'école. Évidemment. Le monsieur est tombé sous le charme. Faut dire qu'elle était belle, ta mère. Tu te souviens ? C'est flou. À partir de ce moment-là, tout est allé très vite. Au moindre prétexte, l'instituteur a demandé à ta mère de passer le voir. Comme c'était un homme délicat et attentionné. Tout doucement, elle est tombée amoureuse. Oh. Elle souffrait de cette situation parce qu'elle aimait aussi ton père. Un jour, l'instituteur a été muté pour son travail. Elle a eu tellement peur de plus jamais le revoir qu'elle a pensé immédiatement à se suicider. Alors c'est moi. C'est moi, Vincent. C'est moi qui l'en ai dissuadé et qui lui ai dit de le suivre. Voilà. Maintenant, tu sais que ton oncle est celui qui a demandé à ta mère de partir. J'avais peur qu'elle commette l'irréparable. Ton père, il s'est encore un peu plus réfugié dans son travail. C'est pour ça que c'est toi qui m'as élevé. Vincent, je sais que tu as écrit une lettre à ta mère. Elle m'en a parlé quand je l'ai eue au téléphone il y a 2 jours. Tu vois ce restaurant ? Elle t'y attend. Elle n'attend qu'une chose, c'est de revoir son fils. Alors moi, je vais rentrer à la maison. Je vais préparer le dîner. Et je n'espère qu'une seule chose. C'est qu'on sera 3.